Saint-Berthevin s'est doté d'un équipement à l'image de son ambition culturelle. Le Reflet, nouveau bâtiment moderne et lumineux, a été conçu comme un lieu de rencontre et d'échange, un lieu vivant avec la nouvelle médiathèque et le conservatoire de musique, dans ces théâtres de Laval Agglomération. Son inauguration a réuni de nombreuses personnalités, élus locaux, représentants du département, de la région, de l'État, qui ont tous salué la qualité de ce nouvel espace. C'est en 2008, 10 ans, pour la première fois qu'on s'est mis autour d'une table en se disant qu'est-ce que l'on fait maintenant? Est-ce qu'on stagne sur notre programmation culturelle ou est-ce qu'on passe, on essaye de passer à un autre stade? Merci à chacun de vous, merci pour ce moment de plaisir que vous nous avez offert et merci aux élus berthevinois de mener cette action et de rendre nos territoires plus attractifs. La culture n'est pas un gadget, un beau ruban pour embellir ou compléter des réalités plus sombres. Certes, à titre personnel, elle permet sans doute à chacun d'entre nous de nous extraire du quotidien, de nous faire rêver ou réfléchir. Il est en effet un des symboles de l'action des collectivités de la Mayenne en faveur de toutes les pratiques culturelles. Je veux donc saluer l'investissement de la municipalité de Saint-Berthevin et du maire, bien sûr, mais aussi des élus de notre département pour l'intérêt qu'ils portent et leur soutien à la culture sous toutes ses formes. Bravo pour avoir fait ce choix d'implanter un bâtiment qui intègre à la fois une médiathèque et puis des lieux d'expression musicale et puis théâtraux, bien sûr, on le verra, au cœur de la ville. C'était compliqué, mais c'était sans doute nécessaire et utile. Une inauguration qui s'est faite en musique. Les élus se prêtant au jeu pour présenter une batucada. Les élèves du conservatoire faisant résonner leurs instruments sur le parvis. Le théâtre avait aussi naturellement investi les lieux avec la compagnie Tatrium, en résidence dans la commune et les baladins. De la création et de la communication. Hein ? T'as trois doubles portes. Donc voilà. Quand tu prends pas celle de gauche, tu prends l'autre. Cette journée a été l'occasion pour les élus comme pour les habitants de visiter ce nouvel espace culturel et de découvrir le hall d'accueil, la médiathèque, les salles du conservatoire et l'auditorium. L'événement s'est poursuivi le lendemain au Reflet, avec un concert inaugural donné par l'ensemble instrumental de la Mayenne qui venait pour la première fois à Saint-Berthevin. Le spectacle That's All Folk a fait salle comble. Plusieurs chanteurs de groupes de rock émergents mayennais ont donné de la voix pour le plus grand plaisir du public. Autre temps fort culturel, la fête de la musique animée par les élèves et professeurs du conservatoire qui ont mêlé accordéon et guitare dans le centre-ville. Sur le parvis du Reflet, ils ont joué tous ensemble et rendu un hommage à Johnny Hallyday. De son côté, la chorale du quartier Colbert a chanté pour la première fois. Les orchestres à l'école, les scènes ouvertes ou amateurs ont aussi attiré les spectateurs. La fête s'est clôturée par le concert de deux groupes, collectif Team Peace sur des airs de reggae et les passagers du Gawen. La musique s'invite partout à Saint-Berthevin. Ainsi, pour animer le quartier Colbert, la ville a organisé des instants musicaux. Les élèves et les professeurs du conservatoire ont joué devant les habitants dans les halls des immeubles. Le spectacle était aussi à l'extérieur, sur les espaces verts avec la classe trompette. La classe de danse du conservatoire a présenté une création dans un des patios. Enfin, un goûter a été partagé dehors en toute convivialité avant le concert de la chorale du quartier. Autre animation à Colbert, un pique-nique estival a réuni les habitants, les élus et les acteurs du service jeunesse au cœur du quartier. Sur les espaces verts ensoleillés, ce fut un moment chaleureux et convivial. L'occasion d'échanger et de se rencontrer
d'une génération à l'autre. Famille, amis, jeunes, ils ont été nombreux à trouver cette première édition réussie. On a plusieurs réunions et dans ces réunions, en fait, on prépare qu'est-ce qu'on va visiter, les transports, les horaires et toute autre chose, en fait. Côté nouveauté, les jeunes se sont investis cette année dans l'organisation de leur camp d'été. Guidés par un animateur, ils ont effectué les démarches, chacun étant affecté à une tâche précise. L'idée, les rendre acteurs de leur projet. Bah, ils sont plutôt contents parce que c'est des activités qu'ils veulent faire. Donc, c'est vrai que ça demande un peu plus d'investissement. Des fois, ils viennent un petit peu en traînant les pieds. C'est vrai que ce n'est pas juste de la consommation. Mais c'était le but aussi pour nous de les rendre acteurs. Plusieurs groupes d'adolescents se sont réunis à la Maison des Jeunes, dressant ensemble la liste des animations, des sorties, des fournitures et du matériel pour les deux camps, prévus à Belle-Île-en-Mer et à Paris. De la recherche sur ordinateur à l'exercice du montage de tentes, ils se sont montrés très motivés dans l'organisation de leur séjour. Les 10 réunions de préparation furent l'occasion de quelques débats pour se mettre d'accord, car il fallait prévoir la logistique tout en respectant le budget prédéfini. Un autre événement festif a marqué cette année 2018 puisque Saint-Berthevin a célébré les 20 ans de jumelage avec la commune de Ceuti en Espagne. De notre volonté partagée de faire vivre notre jumelage. Outre la délégation espagnole, des représentants des autres villes jumelées, Minehead en Angleterre, Wehingen en Allemagne et Caslino d'Erba en Italie, avaient fait le déplacement. Une célébration qui a duré 4 jours, avec notamment une cérémonie officielle au reflet et une animation musicale avec l'orchestre d'harmonie des Amis de la musique de Saint-Berthevin. Grâce à ses équipements de qualité, Saint-Berthevin est toujours le lieu de grands événements. Côté sport, l'année a été riche avec le championnat de judo qui s'est déroulé au complexe sportif pendant 2 jours. 400 judokas ont participé aux épreuves de passage de grade adulte. Un championnat de niveau interrégional qui présentait un réel enjeu pour les athlètes. On est à 70 km d'Angers, on est à 70 km du Mans, on est à 70 km de Rennes. On est vraiment au centre de l'interrégion. La mairie nous met à disposition les installations d'une manière très généreuse. On a le club de Saint-Berthevin qui sont très dynamiques et qui installent le tatami, le plateau, et on a vraiment sûrement les plus belles salles de l'interrégion pour le chiaï, pour le passage de grade. Et puis on va pouvoir adosser sur le week-end une deuxième animation départementale demain, à l'occasion du challenge des 50 ans. Le ballon rond a également une place de choix dans la commune. Ainsi, la 5e édition du tournoi de football du Grand Ouest, Étienne Buffet, niveau U11-U13, a rassemblé 36 équipes participantes sur les terrains du complexe sportif. L'idée initiée par le club de l'US Saint-Berthevin étant de réunir les meilleures équipes régionales, Pays de Loire, Bretagne, Centre, Île-de-France ou encore Normandie, pendant une journée, autour d'une centaine de matchs. Comme chaque année, ce tournoi a attiré de nombreux spectateurs. Parce que Saint-Berthevin est attractive et dynamique, il y a toujours des projets et des chantiers en cours. Sur le site de l'ancien Leroy Merlin, le Retail Park, d'une surface de vente de 11 000 m², accueillera 7 enseignes et 2 restaurants et sera livré au mois de mars prochain. La zone des loges conforte ainsi sa place de première zone commerciale départementale. La voirie sera bientôt achevée ainsi que le vaste parking de 467 places. Les cellules commerciales seront livrées aux commerçants pour une ouverture prévue au printemps 2019. Pour accueillir les nouveaux habitants, la commune a poursuivi la viabilisation du nouveau quartier des Portes du Vicoin. Le projet Natureo va donner naissance à 2 immeubles offrant 58 nouveaux logements en accession à la propriété à proximité de la résidence senior La Girandière. 2 autres immeubles devraient être construits sur ce quartier au cours des prochaines années. Quartier qui accueillera à terme près de 230 logements. La voirie a été finalisée par la ville et les premiers conteneurs enterrés de la commune installés.
À l'entrée ouest de la ville, le domaine de Castanea prend forme. 102 parcelles et 60 logements sociaux seront réalisés dans la première tranche. 51 permis de construire ont d'ores et déjà été délivrés et une quarantaine de pavillons ont déjà été construits. L'aménagement de la deuxième tranche, prévue pour le second semestre 2019, comprendra à terme 112 parcelles et plusieurs immeubles. Dans chaque projet, l'objectif est d'accueillir des populations mixtes et de répondre aux besoins de tous. Terrain libre de constructeurs, logements locatifs, locatif social. Quartier Colbert, la première phase de réhabilitation a commencé sur l'ex-logement du lac. Le projet est de transformer le bâtiment en un équipement public qui accueillera le pôle enfance-jeunesse et la bibliothèque du lac. Cette première phase doit faciliter l'accès à l'école, placer les services publics au cœur du quartier et sécuriser la circulation. Livraison prévue en septembre 2019. Cette année a été marquée par l'aboutissement d'un autre chantier qui est le fruit de plusieurs années de réflexion. L'installation d'une chaufferie à bois à l'arrière du complexe sportif. Saint-Berthevin a en effet décidé de repenser le chauffage de plusieurs bâtiments publics dans un souci d'économie d'énergie et de respect de l'environnement. Un conseiller en énergie partagée a accompagné techniquement le projet. C'est une idée qui est venue de la commission environnement de la commune de Saint-Berthevin. Ces bâtiments avaient des chaudières au gaz, donc qui étaient en fin de vie, donc de toute façon qu'il allait falloir renouveler. Donc l'idée est venue de passer sur une énergie renouvelable, plus propre, pour aussi également réduire la dépendance de la commune vis-à-vis des énergies fossiles. Le but aussi de la commune, c'est de se fournir le plus localement possible. La chaudière, alimentée en bois déchiqueté, desservira l'espace sportif, le groupe scolaire du lac et le futur pôle enfance-jeunesse, soit une surface chauffée de 8440 m². 2018, une année encore riche pour Saint-Berthevin qui poursuit son développement avec détermination, ambition et dynamisme. On sort de l'année 2018, comme vous pouvez le constater, l'année 2018 a été riche pour notre commune, marquée notamment par l'arrivée d'un nouvel équipement structurant, le Reflet, notre nouveau pôle culturel, une année au cours de laquelle l'attractivité de notre ville a continué de se développer. On rentre maintenant dans l'année 2019, nouvelle année, nouvelle ambition, nouveaux projets. Et tous ces projets sont guidés par plusieurs objectifs. Tout d'abord, poursuivre le développement de notre ville, en poursuivre le développement de son attractivité, le développement de son cadre de vie, du bien-être à Saint-Berthevin, pour chacun d'entre vous, les habitants et les habitants de Saint-Berthevin, dans votre vie associative, dans votre vie sportive, dans votre vie culturelle, dans votre vie de tous les jours. Voilà quelle est notre ambition pour 2019 et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2019.